Et salut tout le monde, c'est Atkin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Roblox. On est actuellement sur le jeu Growing Up, un jeu dans lequel nous commençons à l'âge de 5 ans et nous allons devoir bien évidemment grandir au fur et à mesure. Nous avons 5 ans, tout comme cette personne, ou bien celle-là, ou encore vous êtes policier à 5 ans, monsieur? C'est possible, ça? Et je pense qu'on va pouvoir également se marier, mais ça, il va falloir attendre l'âge 21. Très bien, très bien. Mais écoutez, les amis, tout ce qu'on a à faire, c'est suivre la flèche jaune qui nous indique, eh bien, comment sûrement grandir. On va faire de la balançoire. Alors, j'espère que je vais pas prendre un an à chaque fois que je fais de la balançoire. Je sais pas si c'est ça. Mais c'est parti. On se met sur la balançoire. On pousse. Oula, on se pousse tout seul. Comment c'est possible, ça? Ouais, ouais. On se balance tout seul, à la limite. Wouhou! Ok, faut que j'arrête de faire de la balançoire. Faut que je passe à ce truc-là. C'est parti, ça s'appelle le merry-go-round. Ok, c'est parti, on fait un petit peu de tour. On a toujours 5 ans, je... Ah. Waouh. Mais on est maltraité depuis le plus jeune âge. Ouais, mon âge est en haut à droite là-bas. J'ai 6 ans, les amis. On a pris un an. Oh, toi aussi, t'as subi le même sort que moi. Salut, bienvenue à l'âge 6 ans, mec. Bon, heureusement qu'on prend pas un an à chaque fois qu'on fait de la balançoire, hein, sinon je serais déjà mort, moi. Alors maintenant, on doit aller souhaiter notre anniversaire, hein. J'ai grandi, il faut que je rentre chez moi pour la fête. Ok, c'est où chez moi? Parce que à 6 ans, je suis pas sûr de me repérer tout seul dans la ville, je sais pas. Alors on va aller voir, ça a l'air d'être là-bas. Est-ce que c'est ma maman, ça? Ah non, non, c'est un autre joueur qui est juste là, très bien. Et nous, c'est parti, on va donc découvrir notre maison. Va à l'intérieur, c'est parfait. Oh! Wouah! Y'a plein de monde, les amis! Wow! Merci, la famille! Merci, maman, merci, papa, pour cette superbe fête d'anniversaire. Arrêtez de me taper, arrêtez de me taper! Bonjour, mon cadeau! J'adore les cadeaux, c'est parti. Oh, on est avec le frère, un ami, Buddy, 6. Ça va être la sister, ça va être la sœur. Et nous, c'est parti, on ouvre ça. On a un ballon de basket! Wow! Joue pas dans la maison, petit Red Kill. Ok, désolé, maman. Je vais aller jouer. Oh, regardez. Maman avait préparé ce repas, je marche dessus, moi. Oh, mais attendez, je veux visiter la maison, moi, avant d'aller jouer au basket. On va essayer de rien casser ici. Waouh! Elle est sur les toilettes parce que j'ai toujours pas pissé depuis mes 5 ans, moi. Ah, parfait, let's go! L'eau était déjà jeune avant que j'arrive, qui n'a pas tiré la chasse? Allez donc, direction le basket, en espérant ne pas prendre un an à chaque fois que je mets un panier, hein, sinon là c'est un peu la loose, les amis. On va vite être à 80 balais. Hein. On n'aura pas le temps de voir la vie devant nous. Alors c'est parti, je me mets là, moi. Et attention, lance! Ah, ça n'a pas marché. Ah, faut que je tire directement dessus, ok. C'est parti! Oh, c'est apporté, je suis pas encore très bon. Oh, reviens le ballon! Non, 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 non! On m'a toujours dit de regarder avant de traverser, mais c'est bon. Oh, j'ai envie de lui piquer sa voiture en face. Allez, je me mets bien ici, tac! Attention, lance-moi ça, mon pote! Oh, plein dans l'arceau! Alors, quand? Hop là, raté. C'est bon, maintenant je suis chaud là! Yeah. Yes! C'est gagné! Bon, c'est bon, j'ai pas pris un an, je reprends mon ballon par contre. J'ai toujours 6 ans, c'est parfait, maintenant on doit aller boire, on doit aller prendre du Bloxy-Aid de la boutique. Du Bloxy-Aid? Pourquoi ça s'appelle Bloxy-Aid? C'est censé nous aider à quoi, ça? Bon, bah, très bien, on va aller à la station service, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, ça va être trop stylé, j'ai trop hâte de voir ce que ça fera quand j'aurai 50 ans. Non, j'ai pas hâte, en fait. Alors, les réfrigérateurs, c'est juste là. Oula, c'est de la Javel, ça, ou quoi? Attendez, ça coûte 1$, c'est parfait, j'ai tout... Waouh! Trop stylé! Vous avez grandi, yes, rentre à la maison pour la fête! Let's go! Donc on a 7 ans maintenant et on va pouvoir retourner faire la fête. On fait les anniversaires tout le temps! Salut la famille! On est reparti pour un tour! Yes! Alors qu'est-ce que je vais avoir dans ce cadeau cette fois-ci? Merci à tous d'être là chaque année, je vous remercie les amis. Allez, on ouvre ça et on a un petit chat! Content, il me suit ou pas? Oui, il me suit à la trace, il fait exactement ce que je fais. Let's go, j'ai un animal de compagnie, il faut jouer avec l'animal de compagnie sur le trampoline. Quoi? Non, quand même pas. On va pas lui faire subir ça au pauvre petit animal. C'est parti, wow! Oh, le pauvre chat, il a rien demandé. Waouh! Il a pas... Oh, c'est quoi là-bas? Il y a une terre inconnue, bizarre. On va aller voir tout à l'heure, il y aura sûrement une mission à faire. Joli saut, il est temps pour aller à l'école. Allez à la salle 101. Non, pas l'école. Je ne veux pas, Pourquoi y a un renne là-haut là? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc c'est où l'école? En tout cas, petit chat, je t'emmène avec moi à l'école. Oh, il a un skateboard lui! Il a quel âge? Comment il a fait pour avoir un skateboard? Moi aussi j'en veux un. Donc, direction l'école les amis, on va tenter de s'instruire. Bon, pour cela, il va falloir commencer par écouter en classe pour être intéressant. Oh, la prof est déjà là! Oh, regardez! Par contre, il y a personne! On peut rentrer par là. Non, on va rentrer par la porte principale quand même. C'est le premier jour d'école, ce serait dommage. Hein. Allez, la salle est juste là. On s'installe. Oh,
quiz de maths. Sue avait 48 pingouins. Elle en a trouvé 19 de plus. Combien en a-t-elle maintenant? Eh ben, 67. Je suis trop bon en maths, vous mourrez pas. Ah, c'était tout? Ouais, j'ai pris un an. J'ai pris un an! J'ai répondu à la question de maths et j'ai pris un an, mais imaginez. Donc du coup, du haut de nos 8 ans, on va aller... Il y a jamais personne, hein. Je regarde à droite à gauche à chaque fois, mais il y a aucune voiture ici, tout va bien. C'est un quartier tranquille. On va aller fêter ça avec la famille, bien évidemment. On va retrouver notre ami qui est là chaque année et ça, ça fait plaisir. Allez, c'est parti! Oh, mais moi, je veux un vélo, J'espère que j'aurai un vélo cette année, hein. J'ai l'âge de faire du vélo sans roulette, moi. J'ai 8 ans, maintenant. Salut! Hey, c'est ma place, ici! Ouais! C'est la teuf, encore! Oui, j'ai des ballons! Mais c'est pas ça, mon cadeau, Il est juste là. Et on va le découvrir. C'est parti, attention! J'ai un vélo! Yes! Le gage. Mais je voulais pas un vélo, moi je voulais un skateboard. C'est le type qui est jamais content. Ah, let's go, on peut faire un peu de vélo. On peut suivre les flèches comme ça, il faut faire tout un parcours. Et ben c'est parfait. Regardez comment on est bien, on dirige le guidon avec nos pieds. Waouh. Il y a un carnaval là-bas qu'on pourra peut-être aller voir quand on aura un certain âge. Donc on a toujours 8 ans et là, mais qu'est-ce que ça va être? C'est où qu'on va se marier d'ailleurs? Allez où l'église? Je sais pas. Ah, on peut se marier à la grange si on veut aussi. En tout cas, qu'est-ce que ce simulateur est génial. On va vraiment pouvoir suivre mon aventure de mes 5 ans jusqu'à mes je ne sais quel âge. Je sais pas où ça s'arrête, mais... Oh, y a du paintball. Maman. M'entends pas. Je veux faire du paintball. Mais est-ce qu'il faut pas les trouver, en fait, les reines comme ça, là? Attendez, ça doit être des secrets, ça. Attendez, il faut que je prenne ça. Yop là. J'en ai trouvé un sur 6, d'accord. Bon bah écoutez, il faudra trouver les 6 au fur et à mesure de notre vie. Ah bah je peux pas remonter? Quoi? Je peux pas remonter? Ah mais on peut sauter! On peut... Ouah! On peut voler! C'est quoi ce délire? Ouah! Ah, il faut que j'aille à la salle de jeu en fait. Ah, ça va être difficile en volant. Donc allez, on peut maintenant jouer au jeu pour les grands, regardez. Ah mais non, je peux pas quitter mon vélo en fait. Faut que je fasse... Oh, c'est parti pour le skatepark les amis. C'est parti, yep. Waouh! Allez, faut monter là-dessus. C'est bon. Waouh, ce son de ouf. Waouh. Eh, mais moi, je vais rester jouer là. Est-ce que je passe là-dessous, là? Attention. C'est bon. C'est passé. Ouais, c'est bon, du coup. J'ai eu 9 ans. On va pouvoir, encore une fois, aller fêter ça et avoir éventuellement un... Aïe. Un nouveau cadeau, si je suis pas mort avant. Toi bien. Alors, c'est pas... Salut, voisin. Oula. Ça va, t'as bu quoi ce matin, toi? Allez, j'espère qu'on va retrouver toujours les mêmes personnes fidèles chaque année! Yeah! Et on ouvre donc le cadeau suivant! Et on a un dragon qui crache du feu! Wow! C'est un nouvel animal de compagnie, apparemment! Oh, il faut lui faire du trampoline, mais je crois qu'il a pas besoin de moi pour voler, lui, hein! C'est parti! Ah, il est trop lourd, c'est... Non, c'est bon. Mais non, justement, s'il est trop lourd, on va s'enfoncer encore plus, on va monter encore plus haut. Allez, hop. Joli saut. Trouvons maintenant un boomerang. Oh, mais attendez, maintenant que je peux prendre le renne, il faut que j'arrive à l'atteindre. Alors, attendez. C'est bon, ça passe sur le toit. Let's go. 2 sur 6. Bon, il est où, mon boomerang? Maman, t'as caché où, mon boomerang? Ah, regardez, j'avais eu un deuxième cadeau, en fait. Ça y est, je l'ai eu. Il est où? Non, je l'ai pas eu. Ah non, il est dans ma chambre. D'accord. Ok. Alors, c'est laquelle, ma chambre? Parce que je sais pas, moi. Hey, tu viens de chez moi, toi? Alors, c'est ici, apparemment, et on a, waouh, notre belle petite chambre avec le lit superposé. C'est bon, je l'ai ou pas? Il faut aller là-dedans. Oh, faut le trouver. Il est où? Sur le bureau? Non. Sur le lit, toujours pas. Est-ce qu'il serait pas dans un des tiroirs? Sûrement que si. Attention. En bas, celui-là, allez! Je les ai tous ouverts, c'est pas possible! Où est-ce qu'il est? Je comprends pas. Non mais en fait, il est pas dans les tiroirs, hein. Est-ce qu'il serait pas sous le lit? Non. Maman, tu l'as mis où, mon boomerang? Ah, il est là! Yep là! C'est bon, c'est ramassé, on va pouvoir aller jouer avec! Allez, à la cour, il y a de la place pour le jeter. Ah, très bien, on va jouer sur la haute, alors c'est parfait. Donc comment ça fonctionne? Je le tire, il revient, et si je m'en vais, par contre, il reviendra pas sur moi. Il va revenir sur moi, c'est... Oh mais, putain, il rase le sol, il est en train de tondre la pelouse ou quoi? Ouais, il revient pas sur moi, il revient là où j'ai tiré. Bah ouais, logique, mais bon. Yep là! Bon, par contre, le problème avec les boomerangs, c'est de les jeter sur le toit et qui se bloque sur le toit, ça c'est le problème. Mais normalement ça va pas le faire. Bon, j'ai toujours 9 ans, ça fait plaisir. Jeter boomerang, cliquer sur le ciel, courir et attraper. Ah, il faut que je l'attrape au vol, d'accord, c'est ça la mission. Oh, non, je l'ai raté. Ok, vas-y. Attends, je vais tirer au pile au-dessus de moi. Wow! Salut mec! Allez, on l'attrape! Ah, j'ai pas raté. Et attention, on le prend pour le vol. Hop là, je l'ai eu. Mission réussie et j'ai gagné un an. Non, j'ai pas gagné un an. Si, j'ai gagné un an, j'ai 10 ans, ça y est! Wouhou! Ouais, merci.
remercier la famille. Ça fait tellement plaisir, comme j'ai dit 5 fois déjà, que vous soyez là pour moi. Nouveau cadeau, et on ouvre ça, on a le skateboard qui est dans le garage. Waouh, pas le vélo, pas le vélo, c'est bon. Mais quelle classe, les amis, regardez ça. Waouh. Oh, je suis passé à travers. Avec mon dragon. Bon, voilà, direction le skatepark qu'on voyait pas vraiment tout à l'heure parce qu'on était trop loin apparemment. On va pouvoir le tester, mais franchement, le skatepark là-bas, il était franchement très bien, hein, donc peut-être ça peut suffire. Hein. Non, on verra. Donc, direction ce dernier. Hop, voilà. Ça va. On peut pas customiser la planche là. Moi, j'aimerais bien mettre un petit motif hein, juste en dessous. Waouh, C'est énorme. Alors, attendez, on va aller là-dedans. Oh. C'est quoi ça? C'est une poule? C'est un tunnel? Ah non, c'est une poule. Oh, y a trop de trucs à faire. C'est trop classe. Oh, ce saut de ouf! J'ai le multisaut en plus. Hop là. Maman, regarde ce que je sais faire. Je suis trop fort au skate. Wouhou! Ah! C'est quoi ça? C'est dangereux le skate park là, maman. Ah, c'est bon, je suis de retour. Alors, il y a pas mal de choses à tester, notamment toute la partie. C'est bon? Allô? Hey, va pas au skatepark si tu sais même pas tenir droit sur un skate quand même, hein. Toute la partie bleue là qui est trop classe, on dirait le niveau des grands. Le jeune c'était le niveau des noobs et là c'est les grands, les amis. 360! Oula, j'ai à peine fait un 180 là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Oh, il y a un truc où on peut faire un looping, les amis. Alors attendez. En tout cas, merci au chat et au dragon qui m'accompagnent à chaque fois que je prends des gamelles. Alors c'est parti. Si j'y arrive, attendez, je prends l'élan. C'est parti! Je suis parti un peu sur le côté là. Wouhou! Wow, ça marche pas! Non, c'est trop dur, il faut plus de vitesse. Oh, c'est un souterrain! On peut faire du grind ici. Du grind, juste là! Yep. Ah, c'est trop classe. Toutes les rails qu'il y a juste là. Oh là, il y a de quoi faire. Non, vraiment, un très beau skatepark, franchement, j'approuve. Hein. Bon, regardez, je viens de m'acheter un petit lapin au chocolat qui me permet d'aller encore plus vite. Ah, ok, c'est là qu'il fallait aller. Très bien. On a maintenant 11 ans, les amis. 11 ans, c'est l'âge de rentrer en CM2, je crois. C'est ça. Hein. On va donc aller voir la famille pour peut-être une surprise qui nous attend. Attendez. On va pas y rentrer en lapin en chocolat quand même. Attention, qu'est-ce qui nous attend? Une fête d'anniversaire! Wouhou! Ah, je suis trop content à chaque fois. On ouvre notre cadeau et on a eu un lance-pierre, je crois. On a eu un lance-pierre, c'est ça? Oui, on a eu un... Oh. On va tirer sur les voisins, les amis. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh ouais, regardez! Il y a des castors, il faut leur tirer dessus! Pam, pam, pam! Oh, mais ça vise pas bien, ce truc. Ça vise vraiment pas bien, ce truc-là, là. Pam, 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 pam! C'est bon, je l'ai eu! Pam, 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 pam! Voilà, revenez plus dans mon jardin! Alors, est-ce que j'ai gagné un an? Non, j'ai pas gagné un an, il faut que je fasse autre chose sûrement devant. Il va y avoir d'autres castors qui nous embêtent, c'est ça? Oh, faut que je tire dans les plantes, non? Faut que je l'aille là-bas, oui, il y a d'autres trous ou quoi? Non, il y a pas de trous, il faut tirer sur les voisins, c'est ça? Oh, c'est tout ce que je veux. Nourrissons les animaux de compagnie au pet shop. Ah oui, c'est vrai que ça fait quelques années que je les ai pas nourris, les pauvres. Allez, on y va! Oh, lapin au chocolat, et on a l'animalerie qui est juste là, les amis. Et là, c'est quoi? Oh! C'est le lycée. Bientôt, on va pouvoir rentrer au lycée. Donc, bonjour, madame. J'ai des animaux à faire nourrir. Oh, salut. Little Club Fan. Alors, est-ce que je peux m'acheter des nouveaux animaux, moi? Ah oui, je peux changer. Let's go. Je peux avoir une licorne, je peux avoir un chien, je peux avoir un mini-chat. Moi, je vais prendre un yinche. Waouh. Alors, bah, du coup, il faut leur donner à manger. Bien évidemment, on a ici la nourriture. Hop, je prends ça. Prends. Voilà. Nourrissez les chiens à l'extérieur. Ah oui, faut pas nourrir à l'intérieur, évidemment. Il y a deux... Des nouveaux animaux ici? Ouais. Oh, il y a un petit Shiba, il est tellement mignon. Oh, c'est un petit Yusuke! C'est un petit Yusuke, les amis! Qu'est-ce qu'elle est belle! Donc allez, tiens, mange ça, mon petit hinche. Voilà, je viens juste de t'adopter, je te donne déjà à manger, tu vas devenir croix avec moi, je te dis moi. Ah non, attendez, faut que je donne dans la gamelle. Hop, prends dans la gamelle. Voilà, c'est bon! Oups, tu as un petit caca sur les pieds. Rentre chez toi et lave-toi. Quoi? J'ai un caca. Quoi? Quoi? Non, c'est bon, tout va bien. Bon, bah, direction le lavabo alors. Mais c'est qu'il y a gavé de monde devant chez moi! Faites quoi, les amis? C'est quand que j'aurai une voiture? Bah, 18 ans, évidemment. Allez, hop! Donc, la suite, on va aller se nettoyer, bien évidemment, dans la salle de bain qui est à ce niveau-là. C'est parti, directement, la baignoire, tout habillé, avec le lien. Il a rien demandé, lui. Il se fait loucher. Normalement, ils aiment pas trop ça, les chiens. Et on a gagné un an! On a gagné un an encore, les amis! C'est la teuf! Yeah! J'ouvre mon cadeau. J'ai des cadeaux tous les ans. Ça fait trop plaisir. Merci, la famille. Salut! Oh, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu quoi? What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un dinosaure, les amis. Oh, elle m'en met là!
Il faut que je fasse quoi là? Choisissez votre chien à la cour extérieure du pet shop. Oh, ok, ok. Il va falloir changer de chien. Je vais me prendre direct un Yuski. Directement le Yuski. Oh, un renne. Un renne. Attention à pas tomber. Voilà. Donc, moi, directement, ça va être le Yuski. Hein. Hop, comment on le prend? Voilà. Ah, viens avec moi. Ah, c'est moi, il me suit là ou pas? Il me suit? Oui, il me suit. Ouah, tu pars où? Oh, attendez. Si je le mets au bord comme ça, il va tomber le pauvre. Viens. Non. Je rigolais. Mais je l'ai vraiment perdu en plus. Il revient pas. Non. Non. Faut que j'en reprenne un. Oui, c'est bon, il est avec moi, parfait. Jouer avec ton chien, obtenez un frisbee gratuit au magasin de station service. Très bien, très bien. Donc il faut aller à la station service et prendre un petit joujou pour le yinche là, c'est ça? Ah, il faut un frisbee, d'accord, ils sont les frisbees. Ah, ils sont là. Let's go, hop là. Sortez là où il y a beaucoup de place, ah oui, effectivement, là il va falloir un peu d'espace. On va éviter de jouer à côté des pompes. Alors faut aller où là? Là il y a de l'espace ici là. Allez, c'est parti, va chercher. Wouah, il est trop fort. Saute. Oh, c'est un peu haut pour toi je crois. Oh le pauvre, il arrivera de la main à l'avoir. Attends, je vais essayer de le rattraper. Ah c'est bon, bien joué petit chien, trop fort. J'ai gagné un an les amis, j'ai 14 ans, on est rentré au collège depuis maintenant un an. On a toujours pas été le voir le collège, il y a pas de collège de toute façon. C'est l'école qu'on a vue tout à l'heure, c'est la même chose. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai compris, j'ai pris un an, c'est bon. Je deviens vieux là, arrêtez de fêter mon anniversaire, c'est bon, j'en ai marre. Tu as du matériel de camping, quoi? On va aller camper? Mais attendez, on campe pas devant la maison, on campe derrière la maison normalement. Je vais me mettre là quand même, c'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne? J'ai des climovs, d'accord? On va trop loin de la zone de camp. Non, la zone de camp, elle est derrière, on est d'accord. Alors, attendez, c'est pas où? Ah, c'est là-bas! Oh, c'est trop stylé, on va faire du camping là! Waouh! Bon, bah, par contre, faut faire un petit parcours. Maintenant, on a 13 ans, ça rigole plus. Hein. Il faut prendre du danger un petit peu dans la vie. Yep. C'est bon. Yeah! J'adore le danger. Alors, on va au camping. Eh ben, là, les amis, on y est. On va aller se placer. Oh, let's go. Regardez, il y a tout qui est pensé. On va être trop bien. Juste là, hop, la tente. On la déploie. Pas si, par contre. Oh, mais elle est gigantesque. Oula, un coup de vent et c'est fini pour elle. Par là-bas. Prends du bois pour faire du feu. Très bien, très bien. Alors, comment on va faire ça, les amis? Il fait ce qu'il faut. Faut péter ça. Ah non, le bois, il doit être là-bas. Ouais, il est juste là-bas. Ça nous attend. Yep, là. C'est bon. On se fait maintenant un petit feu et on doit rôtir une guimauve. Tiens. Oh, c'est trop bon, j'adore ça. Par contre, j'ai peur. Ma tante a disparu en plus. Elle est où ma tante? Tu comprends pas, je vous l'ai dit qu'elle allait s'envoler. C'est l'heure de se reposer, allez dans la tente, cliquez sur semer. Ouais, déjà, on va la remettre. Oh, oula. C'est pas très bon comme ça. Hop, oh. Ouais, vas-y, on fait comme ça, c'est pas grave. Et on peut maintenant dormir pour la première fois en 13 ans, le premier sommeil. Et maintenant, il fait jour ou pas? Oh, toujours pas. On peut aller se rendormir. Ramasse ta tente. Ouais, c'est bon, j'ai ramassé. Allons-nous baigner. Ah ouais, trop de classe. L'eau, elle doit être dégueulasse, mais bon, on y va, hein. C'est pas grave. Et hop là. Et ça y est, le petit bain nocturne qui se transforme en bain du matin, comme ça. Et on doit maintenant... Quoi, j'ai entendu le bruit. Il y a un ours. Oh, on y va. Où est-ce qu'il peut se situer, ce dernier? Ouais. Je l'entends toujours. Je n'aime pas ça. Est-ce que ça serait pas à l'intérieur? Ah! C'est un dinosaure! C'est pire que ça! Attendez, on va essayer de passer derrière, on va le dompter. Yup! C'est bon, on l'a eu! Ah non, on l'a pas eu! Une épine dans son orteil. Ah, il faut que je l'enlève avec la lanterne. Alors attendez, je vais vérifier ça. Tac, attends, je t'enlève ça. C'est bon! Maintenant, je peux monter sur lui maintenant que je l'ai soigné ou pas? Attention! Yes! Je le maîtrise! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Relève-toi! Wouhou! Oh, il est trop classe! Très bien! Montez-le à l'école pour prouver qu'il n'est pas éteint. Ouais, on va vous montrer qu'en fait, les dinosaures, c'est pas terminé, les amis. Je les ai ressuscités. Et on a un nouveau renne juste là. Ah, j'arrive pas à le choper. C'est bon, 4 sur 6. Salut les voisins! Il voyait un dinosaure passer, c'est pas normal. Allez donc, on va pouvoir l'amener, regardez, à l'école. On va faire peur à tout le monde. Voilà, ils sont pas éteints! Ayez peur de mon monde. Y'a personne en fait. Mais. Elle est où la maîtresse? Oh, la maîtresse, elle est là-bas. On va lui faire peur. Je vous ai vu tout à l'heure, madame. Vous nous avez menti. Ils sont pas morts, les dinosaures. Regardez. Pour vous le prouver, on va passer par la fenêtre. Oh, ça a marché en plus. Bon, bah, 14 ans, les amis. Ça se fête. Il faut l'avouer. On va pouvoir aller fêter ça. Mais attendez, ils ont pas vu mon dinosaure, la famille. Il faut leur montrer. Attendez. Hop. Voilà, tac. Oh, bien, tu montes pour mon anniversaire, ça fait plaisir. Salut! Allons donc voir ce qu'il y a dans mon cadeau. J'espère que ça va être un truc de ouf, parce que là, franchement, j'ai eu un dinosaure. Qu'est-ce qui peut être plus faux qu'un dinosaure? Je sais pas. Attention, on ouvre.
Le cadeau, il veut pas s'ouvrir le cadeau. Ah si, c'est bon, le mien c'était celui au sol. Vous avez un abonnement Paintball Arena, allons-y maintenant. J'attendais que ça, moi. J'attendais que ça, c'est juste en face, de l'autre côté du quartier. C'est parfait, l'arena de paintball. Oh, je veux un jour avoir une voiture comme ça. Oui. Oh, non, je me suis fait déjà. Oh, je dois avoir 15 ans. 15 ans. Ok, c'est la conduite accompagnée, ça. Alors donc, on prend. Oh, je peux... oh oui, j'ai le bleu. Non, je veux le vert, je veux le vert. Je veux le vert, je veux le vert. Oh yeah, ça fait des marques au mur, trop classe. Allez donc, direction l'intérieur, tirez sur la scie pour ouvrir la porte. Ah oui, d'ailleurs, c'est un petit test de... Ah bah, test réussi. Oh, bien, oh, mais d'accord, il faut tout faire. Waouh. C'est bon, arrête de tourner, toi. Waouh, il faut tirer sur 4, là. Tac, 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 tac. Parfait, test de rapidité. Au poil, c'est bon. Zone de sécurité, hop là. Astuce, il est parfois utile de sauter et de tirer sur le par-dessus le mur. Ah oui, il nous tire dessus maintenant. Boum. Ah, il faut que j'aille prendre le drapeau là-bas. Hop, hop, vite avant qu'il se relève. C'est bon, je l'ai eu, je crois. On a gagné. Ah, il faut le refaire, faut le refaire, faut le refaire. Viens là, toi. Boum. Oh, 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 c'est headshot. Non, il faut que je continue apparemment. Donc, il faut jouer maintenant à capturer le drapeau. On va rejoindre l'équipe verte, bien évidemment. Allez. Go. Voilà. Alors, comment ça fonctionne maintenant? Il est où? Oh, il est là-bas. Boum. Oh, oh. Faut qu'on aille prendre le drapeau bleu. Hein? Il y a personne? Si, il revient, il revient. Oh, regardez-le, lui. Pam, pam, tu te relèveras jamais. Et... je prends ton drapeau. Ah, j'arrive pas à monter. Attendez, il faut que je passe le tour. S'il se relève, je tire dessus. Boum. Je l'ai pas eu. Bam. Voilà, ça c'est réglé. Et hop là, le drapeau est à nous, on a gagné. Alors, maintenant, faut aller où? Hein, il faut rejoindre les autres, c'est les 15 ans et il faut maintenant... Oh là là, vous savez ce qui nous attend les amis, il y a 15 ans, c'est la voiture, c'est sûr. Allez donc, direction la maison pour aller fêter ça, pour la 15e fois de la vidéo. Ah non, la 10e fois parce que j'ai commencé à quand même arriver à 10 ans. Et c'est parti. Wouhou. J'ai eu apparemment un truc dans mon sac à dos, on peut prendre le cadeau maintenant et on a une voiture. C'est dans l'allée du voisin. Quoi? On va aller voler, on va vraiment aller la voler? Ça? Ah oui, c'est là-bas. Apparemment, c'est là-bas. Très bien. Vous devez d'abord passer le test de conduite chambre 102. D'accord. À l'école, en fait. C'est pas vraiment là qu'on est censé le passer, ce truc-là. C'est là où il y a la maîtresse, mais c'est pas la maîtresse, alors. Salut, je serai votre prof d'éducation de pilote. D'abord, un quiz rapide avant le test de conduite. C'est parti. Moi, je suis chaud pour les quiz rapides. Question 1 et 2. Quand un feu de circulation devient jaune, que devrions-nous faire? Accélérer pour passer? Non, 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 non. On s'arrête. On s'arrête. Juste avant l'intersection. Que devriez-vous faire au panneau stop? Vous arrêtez si nécessaire ou arrêtez puis continuer lorsque vous êtes en sécurité. Arrêtez, il faut arrêter, continuer s'il y a personne, c'est tout, c'est bon. Ah, oupla, oupla, STP, c'est pas normal ça. Elle fait peur elle. Allons à la voiture bleue. Ah mais elle m'accompagne. Ah. Oh parfait. Elle a essayé de passer par la fenêtre mais elle n'a pas réussi, elle est trop grande. Vous avez vu madame, j'ai plein d'animaux de compagnie sur moi, c'est autorisé ça, la conduite. Allons à la voiture bleue. Oh non, on commence avec les voitures toutes pourries là, sérieusement. Les cybertrucks là. C'est quoi ce délire? Ah ouais, mais au moins on est sûr de pas la casser celle-là. Lorsque vous êtes en sécurité, allez en avant et tournez à gauche. Je crois qu'il y avait personne, mais c'est bon. J'avais pas regardé mon switch. C'est parti! Mais elle est classe cette voiture en fait. Oh mince, il y avait un stop. Hop là. Désolé madame, désolé, c'est bon. Vous avez rien vu, c'est bon, tout va bien. On a dit... non, on a dit à gauche, on a dit à gauche. Ouais, si je commence à confondre ma droite et ma gauche, ça craint ça. Continuez jusqu'au prochain panneau d'arrêt. Très bien, on s'arrête là, c'est bon. Oh, je peux taper la roue. Waouh. Tout ce pas là. On peut pas changer de voiture, on peut pas prendre la rouge madame. On peut pas. Non, on peut pas. On va jusqu'au stop, on s'arrête bien évidemment. Et maintenant, ok, on retourne à l'école. Et c'est bon. Normalement, j'ai l'examen du premier coup, même si j'ai crié 150 stops. Ouais, il y a un feu rouge là ou pas? Ah oui, il est en face, c'est vrai qu'ils sont là-bas. Il faut aller où maintenant? Ah, ça sous service, c'est mettre de l'essence. Ah, vous allez m'apprendre à mettre de l'essence, madame, c'est ça? Yep, voilà, on se met là, on appuie sur tout. On met quoi là-dedans là? C'est quoi? Comment ça marche ce truc là? C'est quoi ce délire? Madame, qu'est-ce qui vient d'arriver là? Il faut aller chercher un extincteur apparemment. Hop là, ils sont où les extincteurs? Là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Casse ça. Parfait, fais éteindre. J'ai pris feu, madame! J'ai pris feu, éteignez-moi! Éteignez-moi, je peux. Ah, c'est bon. Oh. Allez chercher le frisbee, madame. Allez chercher. Allez, on retourne à l'école. Parfait. Succès, c'était effrayant. Retournons à l'école. Comment ça, c'était effrayant? Je l'ai pas, mon test, c'est ça? C'est ça que vous allez dire? Allez, go! Direction à l'intérieur et maintenant, on va refaire un test? Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de refaire le test, tout va bien. Allez, on valide. Heureusement, tes parents avaient une assurance. Votre voiture devrait être neuve, on n'a rien de temps. Oh. Comment elle me clash? Si vous souhaitez un cours de recyclage, vous pouvez me trouver dans la salle 102. Un cours de recyclage? On verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Moi, j'ai le permis, je m'en fiche. C'est parti! Alors, est-ce que je peux aller piquer ça? Sa voiture rouge, mon voisin là-bas. Hein? Oh, trop stylé! Je peux la prendre? Oh! Non! Là! Ouais! Let's go! Oh, mon chien, le pauvre. Je crois qu'il a pas compris le principe d'une portière, lui.
Mais au moins il est calé. Allez donc, on va aller fêter nos 16 ans au volant de notre petite Ferrari. Oula, que j'ai du mal à conduire. Mais c'est pas une Ferrari, c'est une Mustang. Let's go. Toujours les mêmes. J'en ai marre de vous voir, j'en ai marre de toi mon frère. J'en ai marre de vous voir. Laissez-moi tranquille maintenant. Allez, j'ouvre mon cadeau. Tu as un téléphone. Oh, je vais aller traquer. C'est parti, je me mets sur le canapé. Je vais... Tu as un téléphone, terminé le niveau tutoriel Tiger Hop. Ok, c'est quoi Tiger Hop? Ouais, démarrer la partie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis un jeu. Allez, go, on avance. Oh, on peut sauter. Ah ouais, on mange des pommes. Oh, c'est trop classe. Mais c'est vraiment les vieux jeux sur téléphone. Hein. Il y a plus maintenant. Ils sont un peu mieux faits, les jeux. Hein. Évitez les pièges. Aïe. Oh, attaque F. Oh, il faut attaquer. Pas. Ça lance des gros marteaux. Nous allons avoir besoin d'un plus grand saut. Espace super jump. Hop là, attention à ça. Attention, je me suis fait avoir encore. Allez, viens là, toi. Viens là, parfait. On saute là-dessus. Il y a la banane. Parfait. On prend la dernière banane et on réussit le tutoriel. Démarrer le niveau suivant. C'est trop nul ce jeu, j'aime pas. Alors attendez, il faut envoyer un message à qui là? Salut, je sais pas. Ah, à qui on va l'envoyer? Envoyez un message texte si vous le souhaitez ou suivez la flèche. Ah, attendez, je vais envoyer un message à un joueur apparemment. Très bien, je sais pas si ça va être très utile de lire Henri, salut. Mais c'est parti, la suite. C'est l'heure du lycée. Non. Je vais faire du piano, bah ça me va. Oh, mais je suis un dieu du piano, c'était sûr. Oh, je suis trop stylé. Bon allez, c'est bon, je rigole, on va aller au lycée. On va aller au lycée en voiture d'ailleurs. Oh, ma voiture a disparu apparemment. Est-ce qu'elle est dans le garage, ma bleue là? Non, même pas. Bon bah écoutez, on va y aller en vélo, ça sera très bien. Hop là! Ils sont tous jaloux là, ils sont jaloux que j'ai une voiture. Moi. J'ai peur de rentrer au lycée, j'ai vraiment peur. Allez, direction l'enceinte scolaire du lycée et ça y est! Alors comment ça se passe? Faut aller où? Arts martiaux, très bien. Allez, salle 51 pour les arts martiaux, autodéfense. Salut maître sensei. Alors comment ça marche? Arc, bloc. Oh, je l'ai salué. Bloc. Alors on peut faire des blocs. On peut faire des... Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit coup pour être plus violent quand même. Et un petit coup de pied apparemment. Hop là. Et on peut lui mettre des coups à lui là. Oh, t'as dû faire mal ça. Allez, il faut répéter ce qu'il nous dit. C'est parti. Arc. Très bien. On salue. Ok, on fait un bloc, très bien. Ensuite, on fait un poinçon, très bien. Ensuite, un coup de pied. Non, un bloc. Hop là. On est synchro, mon pote. Coup de pied. Ouais, je suis un peu en retard. Bloc. Tac. Ensuite, un arc pendant que mon petit chien est en train de s'amuser tout seul. Et, mais c'est réussi. Vous pouvez frapper le sac de frappe. Très bien, très bien, très bien. Pop. Oh. Pop. Oh, là, trop fort. Allez, go donc, direction la suite. Je sais pas ce qu'on va faire maintenant, il faut sortir déjà. Ah non, il faut aller à la gymnastique. On doit avoir 16 ans, par contre, pour y aller, mais c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Oh, wow, t'as fait des trucs de ouf, elle. Waouh, saut périlleux aérien, saut périlleux aérien twist. Maintenant, répétez ce mouvement. Ok, vas-y. Allez, dis-moi, j'effectuerai 8 coups, ensuite vous les répétez. Très bien, madame. Je suis votre instruction. Promenade sur les mains. Très bien. Ressort à main. Hop là, supérieur aérien. Mais moi, je commence juste. Pourquoi vous me demandez de faire des trucs de fou quand même? Ressort à main. Promenade sur main. Supérieur aérien. Hop. Waouh! J'apprends trop vite avec vous, madame. Merci à vous. Ah, trop classe. Oh, je veux faire de la poutre, moi. Yep. Tenez, on va tenter un truc sur la poutre. Yep. Attention. Oh, on va tomber. C'est bon, tout va bien. C'était voulu. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on a... Eh bien, on a 16 ans. Ça y est, on va aller faire la teuf. Alors, comment ça se passe ici? Oh, c'est qu'il y a pas mal de cadeaux, là. J'ai mis un télescope. Oh, c'est trop classe. Alors là, ça va être oufissime. Il faut aller à la montagne. Ok. Direction la montagne. On peut pas prendre ces trucs-là. Ah si, il y en a 6 à trouver, des petits cannes à sucre comme ça. Bon, très bien. Alors, on va se mettre vraiment le plus haut sur un point d'observation très intéressant. On va se mettre juste là. Oh, parfait, regardez. Il y a un petit peu de neige en plus. Donc, il est où mon télescope? Il est là, très bien. Je le pose. Et c'est parti. Alors, on a moyen d'observer toutes ces constellations avec la casserole. Ah non, c'était pas la casserole, ça. Ah ouais, c'est ça, là. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est Taurus. C'est Taurus. Ouais, c'était ça. Yes. Ensuite, ça... Oh, c'est la... ce serait pas la casserole, ça? Non, c'est pas la casserole. Hein. Est-ce que c'est Corona Borealis? Ouais, c'est ça. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est... J'en sais rien, moi. C'est Ursa Minor. Très bien. Ensuite, oh, ça, c'est Hercule. Elle est trop classe, cette constellation. Et ça, c'est quoi? C'est Léo! Bon travail, c'est l'heure du cours de chimie. Très bien, on retourne au lycée et on aura très bientôt les 18 ans, les amis. Sauf que le jeu, je pense qu'il nous considère à 20... que c'est comme aux États-Unis, donc c'est peut-être 21 ans l'âge majeur. Donc, pour l'instant, même à 18 ans, on sera pas majeur. On va aller en chimie et on a...
un savant fou. Supervision des adultes. D'accord, d'accord. Mettez Bunny loin pour cliquer des trucs. Ok, désolé, désolé. Hop. Alors, comment ça fonctionne? Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Ah, il faut aller là. Très bien. Oh, on va pouvoir meteler le volcan. Faire un volcan. Très bien. Ah, obtenez du bicarbonate de soude, couleur rouge. Vous avez du bicarbonate de soude, couleur rouge, monsieur? Ah, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher où? Ah, ouais, d'accord. Fait des activités extrascolaires, il faut aller chercher ça. Parce qu'il n'y a pas tout à l'école, non, il faut aller acheter, il faut aller acheter. Alors, il est où celui-là? C'est quoi le bicarbonate de soude? Ah, c'est là, c'est là. Ah, apparemment, je l'ai pris. Alors, on va pouvoir tester ça maintenant. Instruction sur le mur. Bicarbonate de soude. Ok, il est où celui-là? Ah, mais je l'ai pas dans mon inventaire. Faut que j'aille chercher maintenant du colorant alimentaire et du vinaigre. Très bien, très bien. Alors, le vinaigre, c'est juste là. Moi, je vais tout prendre, je m'en fiche. Hop, je prends ça, je prends ça, je prends la levure. Donc, on a dit en premier bicarbonate là-dedans. Ensuite, colorant alimentaire. On va mettre du rouge et ensuite du vinaigre. Et l'éruption est totale. Attention, mon chien, attention à toi. Waouh! Ah, on a créé un démon. On a créé un démon. Ah, il faut faire autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire un dentifrice éléphant. Il nous faut de l'hydrogène. Je crois que j'en ai de l'hydrogène. Alors, attendez, il est où? Ah, je l'ai pas, en fait. Ah, si, j'en ai. Hop, on rajoute ça juste là. Tac. Ensuite, il faut mettre du colorant alimentaire bleu. J'en ai. Et du savon à vaisselle. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon! Ça marche ou pas? Ah non, il faut continuer. Mélanger la levure dans de l'eau sur table. Ok, j'ai de la levure? Oui, j'ai de la levure. Ajoutez le mélange de levure. Yep, c'est bon! Wouhouhou! Oh, c'est trop génial, monsieur! Merci de m'avoir appris à faire toutes ces bêtises! C'est l'heure de la classe robotique. Oh, ça va être trop trop classe aussi. On va créer des démons. On va... il fallait où? Il fallait là. Tac, tac, tac. Voilà! Ah! Ok, installez-vous là, monsieur. Oui, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ah, il faut créer, il faut créer. Donc, pour cela, il faut cliquer sur Robotorse, ensuite sur Braille-Jambe, Tournevis, Cerveau-Moteur, Tournevis encore, Ordinateur, Fer à souder, plat, Batterie, et le robot est prêt. Il est où, mon petit robot? Est-ce que je l'ai? Ah non, je l'ai pas. Attendez, il faut que je me mette là, et... Oh, ça y est. Oh, regardez, je peux... Ah, ah, oh, il galère un peu, hein. Ah, allez, reviens en arrière. Reviens en arrière, t'as dit. Ah. Sors. Ok, on a dit tu vas à gauche direct. Ah ouais, attends, comme ça. Voilà, tac, droite, tac. Yep, 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 voilà. Oula, pas dans le mur, pas dans le mur. Yep, c'est bon, à droite. Et... C'est gagné. Ouais. Ah, maintenant, faut qu'il apprenne de lui-même. D'accord, d'accord. Donc, il faut que tu tournes à gauche, qu'ensuite t'avances trois fois si tu veux. Ensuite, tu tournes à droite, mais pas trop. T'avances, ensuite tu retournes à droite, t'avances, tu retournes à droite, t'avances, tu tournes à gauche, t'avances, tu tournes à gauche, t'avances, et tu tournes à gauche et t'avances. Et normalement c'est bon, c'est parti, on peut le lancer. Oh, est-ce que ça a marché? Oh non, je l'ai pas fait, si c'est bon, ok, ok, j'ai bien fait de le faire avancer jusqu'au mur, j'espère que je l'ai pas lancé trop loin là, à droite, yes, c'est trop géré. Allez, continue encore un petit peu, tu vas y arriver. Normalement, c'est bon jusqu'à la fin. Je crois que je me suis pas trompé. Allez, gauche, ok. Allez, allez, c'est bon, encore. Ouais, attention, il est dévié. Non, il est dévié. Non, ça, c'est pas de chance. Retour, derrière toi. Non, il s'est fait, du coup. Alors, attendez, je crois que je peux le faire finir. Je peux le faire finir. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, ça a marché. Let's go. Bon, maintenant, mettons à jour notre robot. C'est vrai qu'il était un petit peu nul quand même. Hein. Donc là, il faut mettre un coup de perceuse en un yeux de faisceau laser. D'accord, de la colle et un cœur. Oula, ça va être un certain robot, ça, je pense. Ton prof veut te voir. Oui, tu veux me dire quoi? Aidez-nous, s'il vous plaît. Il y a un robot fou qui attaque notre école. Utilisez votre lille robot pour le vaincre. Vraiment? Il y a vraiment un robot? Comment ça, je peux le voir, moi, le robot? Il est où? Il est où? Oh, ah ouais! Ah ouais, d'accord, vite, il faut mettre mon robot. Allez, robot, vas-y. Ah, mets-lui un coup de laser. Ah, oh non, c'est là-bas. Oh là là, c'est trop chaud. Ok. Moi, il faut que je me cache parce que je suis en train de me faire démolir. C'est bon, mon robot est là. Attention, yeux laser. Oh, t'es à côté, mon pote. Mais c'est trop dur à viser. Comment je vais viser? Oh là là là. Il faut aller le mettre juste à côté de lui, hein. C'est sûr. Tac, on le met juste là. Tourne, faisceau. Ah non, ça c'est moi. Là, c'est bon, je suis en face. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Oh, c'était pas facile à contrôler, ce truc-là. Hein. Bon, c'est réglé, monsieur le professeur. Hein. Succès, tu as sauvé l'école. Alors, est-ce que je passe à 18 ans, du coup? Oui, c'est ça. Oh, attendez, je dois aller où, là? Je sais pas, je dois aller de ce côté-là. Très bien, retourner à l'école. Non, qu'est-ce que c'est que ce délire? La danse à l'école est bientôt pratiquée avec votre nouvel outil de danse. Oh, je peux danser où je veux, maintenant. Ah yes, on va s'entraîner au bord de la route, là. Yep. Demandez à votre ami voisin d'être votre partenaire de danse. Oh, il a une voiture téléguidée, lui. Oh, classe. Allez, on va aller voir les voisins pour leur demander s'ils veulent faire danse avec les stars. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que... Qui c'est qui veut? Toi, Sarah, tu veux?
Hop, merci Sarah de m'accompagner, viens avec moi. Tiens, monte sur mon petit lapin en chocolat. Hop là. Alors on va aller faire de la danse apparemment là-bas. Ah non, il faut qu'on s'habille. Il nous faut des nouveaux vêtements, Sarah. Alors hop, bienvenue, t'inquiète, je paye tout. T'inquiète. Oh, mais il y a tout ce qu'il faut. Alors attendez, moi je vais me mettre une petite perruque. Oh, elle est toute belle, Sarah, regardez, elle s'est mise en petite robe rouge comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, je suis pas d'accord avec cette coupe, moi. Je veux bien une petite coupe comme ça, là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On va bien évidemment se mettre en costard-cravate. Non, kimono. Oh, on peut pas lui mettre un coup de pied, non, on peut pas. On ne frappe pas les femmes, bien évidemment. Ah, mais je peux me changer carrément en... Oh, en monsieur propre. Ah non, je dois avoir 21 ans pour me mettre en monsieur propre. Bon, bah, la direction, la danse en kimono. J'ai vraiment une sale tête comme ça. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète. J'espère qu'à 21 ans, Sarah voudra se marier avec moi. Allez, Sarah, suis-moi. On va donc au cours de danse. Ah, c'est en face, d'accord, c'est en face. Hein, faut aller dans le gymnase. C'est encore mieux que mon anniversaire. Allez, Sarah, on danse. Waouh, le chien qui est toujours là. Hein. Il m'accompagne pour chaque année de ma vie, c'est un truc de fou. Ah, ah là là, qu'est-ce que c'est cool ici. Ah, attends, il faut que je danse comme elle. C'est quoi ta danse là? Ah, c'est le chef électro. Ah non, c'est le dance move. Voilà. Wouhou. Oh là là, mais moi j'ai envie d'aller manger, à boire un petit truc là. Allez, Sarah, viens avec moi. Profitez de rafraîchissement. Soyez le DJ. En fait, le DJ. Comment ça se passe? Pourquoi il faut aller là-bas? Hop, je me prends une petite boisson. Wouah, ça m'a permis de faire un salto. Et les burgers, ils vont me permettre de faire quoi? Oh, c'est pas. Attention, c'est parti. Oh, ça m'a rien fait. Waouh, en tout cas, cette soirée à deux était géniale. Hein. C'est dommage qu'il y avait personne d'autre. Mais bon, allez, c'est parti. La suite, est-ce qu'on va avoir enfin nos 18 ans? Je ne sais pas. On retourne sur le checkpoint juste là. Et attention, rentrez votre partenaire chez vous. Ah, quoi? Comment ça? Tu viens chez moi, Sarah, pour faire ma fête d'anniversaire? Ah non, mais faut la ramener chez elle. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est la flèche qui me dit d'aller là-bas. Voilà, merci pour la danse, c'était amusant. De rien, Sarah, merci à toi. Oh, il y a deux Sarah maintenant. Ah non, c'est bon, elle a disparu. Votre diplôme d'études secondaires est aujourd'hui. Oh, on va être diplômé, les amis. Il faut aller récupérer ça au lycée. Parfait. Ah non, c'est là qu'il faut aller. Oh, la cérémonie est juste là. Oh, c'est quoi ça? C'est un labyrinthe ou quoi? Oh, regardez, il faut que je mette mon petit truc sur la tête. Oh, je suis tellement classe. J'ai eu mon diplôme, enfin pas encore, il faut que j'aille le récupérer. Mais d'abord, il faut être assez intelligent pour sortir de ce labyrinthe de la mort. Qui c'est qui a mis un labyrinthe là, franchement? C'est bon, on en a pas su assez toute l'année. C'est bon. Oh, regardez, il y a tous les poteaux de l'année. Bon travail, tu l'as fait, félicitations. Merci, Sarah, s'il te plaît, viens. Oh, Sarah. Bravo, Sarah. Je suis trop fier de toi. Allez, Brad. Ha ha, mais Brad, il a copié sur moi toute l'année, madame. Vous ne devrez pas mériter ce truc. Cola. Quoi? Elle s'appelle vraiment Cola, elle. Ensuite, c'est Acrousti. Et ensuite, ça sera à moi. Très bien, très bien. Allez, appelez-moi. Player 1, avancez, s'il vous plaît. J'arrive. Merci. Salut, à la prochaine. Ah, attendez, il fallait jusqu'au bout. Voilà. Merci pour mon diplôme. Je vous aime. À l'année prochaine. Nous sommes si fiers de toi, ma chère. Quoi? Ma chère. Je suis un mec. On t'a offert un petit cadeau de fin d'études. Ah, il est où le cadeau? Oh, il faut aller là, c'est peut-être dans notre boîte aux lettres. Vas-y, vas-y. Dans ma boîte aux lettres? Déposez votre casquette et votre robe si vous le souhaitez. Attendez, je vais sauter par-dessus. Ah, oh, je peux pas. Oh, je peux pas sortir par là. Oh non! Oh non, ils ont mis des murs invisibles. Je suis deck. Ok, on est reparti pour le labyrinthe. Pour le faire sur le lapin, ça va plus vite. Oh ben voilà. Donc allons voir dans ma petite boîte aux lettres s'il n'y a pas un petit cadeau donc de cette personne-là. Alors, hop là. Tac, bon, ça marche ou pas? Waouh. C'est bon, c'est ouvert. Et. On a un drone! Trop classe! Je savais que j'en avais entendu tout à l'heure. Oh! Allons aux courses au drone. C'est où la course au drone? Mais c'est trop stylé. C'est où? C'est là-bas apparemment. Très bien, très bien. Allez, on y va. On y va sans moi. On y va avec le drone, juste avec le drone. Alors attendez, est-ce que ça serait pas là-bas? Oui, c'est là-bas. Mais faut peut-être que j'y aille avec mon personnage, non? Non, même pas. Si, si, il faut que j'y aille avec mon personnage. Oh! Je l'ai cassé! C'est pas grave, allez, on y va, on y retourne. Bon, par contre, je suis encore diplômé, il faudrait que je me change, là. Moi, je me changerai tout à l'heure, en vérité. Donc, allez, je déploie ce magnifique petit drone qui doit passer dans les petits arceaux. C'est du Quidditch. Non, je l'ai cassé. C'est bon, on reprend. Donc, tranquille. On va pas essayer d'aller trop vite. Voilà. Aïe, 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 c'est bon, tout va bien. Prends le virage tranquillement. Mets-toi en face. Non. J'ai cassé. Ah, c'est qu'il est pas facile à contrôler, ce drone. Hop là. Voilà, attention, virage. Monte, doucement, mais il fait n'importe quoi. Oh, c'est bon. Le 5 maintenant. Yeah, c'est bon, on remonte. Le 6, hop là, le 7, encore 2. Yep. Non. Allez, il faut battre le record de 26 secondes qui est détenu par un autre joueur là. Donc allez, c'est parti, on voit doucement. Le 7,
Le 8, allez. Yes, 12 secondes, mais c'est largement battu. Regardez-moi, j'ai mis deux fois moins de temps que lui quand même, hein. Oh, salut, Ewick 776. Oh, regardez, elle passe son permis, elle. Oh, je lui pique sa voiture pendant qu'elle passe le permis. Oh, je lui ai piqué sa voiture, elle pourra pas avoir son permis. Let's go. Je l'ai planté dans un arbre. Bon, en tout cas, les amis, ça fait plaisir. On a maintenant 18 ans, ce qui n'est pas rien. Et on va pouvoir fêter ça encore tout fraîchement. Diplômé, on a maintenant une moto. Et une clé pour la réparer. Quoi? 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 Ils nous ont offert une moto qui est cassée? Comment ça se passe? Ah oui, elle est là. Ah, mais elle est toute pourrie. Ah, mais il manque des roues, en fait. C'est quoi ce délire? Trouver les parties manquantes dans les montagnes. Mais qu'est-ce que les roues font dans la montagne? Ça, je comprends pas. Bon, bah, allons voir. Alors, comment je pourrais trouver ça? Y'a pas les flèches qui m'indiquent? Oh. Non, il faut les trouver nous-mêmes. Ah, bah, y'en a une là, apparemment. Ah, y'a 6 pièces à trouver. Bah, écoutez, je vais mettre en gros des zooms comme ça. Y'en a une apparemment juste là. Parfait. 2 sur 6. Ensuite, on va en avoir une dans le sapin, là. C'est bon. Chope, j'arrive pas à le choper, c'est bon, 3 sur 6. Ensuite on a, oh, la roue qui est juste là, parfait. L'autre roue, la cinquième, là. Et maintenant elle est où la dernière? Elle est dans l'eau? Elle est dans la grotte? Est-ce que quelqu'un la voit? Moi je la vois pas, elle est dans l'eau sûrement, non? Oh, oui, c'est dans l'eau. Allez, ramasse, là t'es dessus là, t'es dessus. Là c'est bon, vous les avez tous trouvés, maintenant on peut aller la réparer. Oh là, mais quelle aventure de fou aujourd'hui, franchement le jeu est trop classe. Allez donc, hop, go sur la moto. C'est bon, c'est réparé ou pas? Cliquez dessus avec la main à la clé. Ah oui, la clé à molette, parfait. Ça y est. Passager hors service, comment ça? Passager désactivé, disponible. Qu'est-ce que c'est que ces boutons là? Arrêt, verrouillage, d'accord, ok. Alors qu'est-ce qui se passe? On a gagné encore un an. Vérifiez les annonces, allez à votre ordinateur dans votre chambre. Qu'est-ce qu'il y a? On la vend la moto, c'est ça? On l'a à peine réparé. Vérifiez les annonces, aide voulue sur votre ordinateur. Quoi? Aide recherchée dans une ferme. Voir Farmer John pour plus de détails. D'accord. Nous allons aider Farmer John. Allons y va en moto. Oh, je t'ai pas demandé de monter derrière moi. Attention, attention. Ouais, écoutez, on a 18 ans, il faut commencer à se faire un petit peu d'argent parce qu'on peut plus compter sur le portefeuille de papa et maman. Il faut maintenant aller aider John à la ferme. Alors, comment ça va se passer? D'accord, on descend, on descend. Salut John! Vous êtes engagé. Ah, ok. J'ai pas fait mes preuves encore. Je suis le fermier. Vous pouvez travailler pour moi à l'âge de 18 ans. Mais ça tombe bien, j'ai 18 ans. Nourriture de poulet. Nourrir les poulets. Ah, mais c'est ça qu'on fait. Parfait. Alors, on y va. Elles sont où les poules? Vous avez pas de poules dans le poulailler? Elles sont où les poules? Oh, elles sont là! Les poules! Prenez! C'est bon, c'est bon. Et les amener dans leur poulailler. Allez, venez, suivez-moi! Suivez-moi les poules. Ah, c'est bon. Par contre, le chien, à tout moment, il les bouffe, quoi. Très bien, maintenant, il faut prendre... Oh, un nouveau renne. Let's go, 5 sur 6. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut prendre un cheval pour chasser... Ah oui, d'accord, les vaches. Il faut aller faire rentrer les vaches, je pense. Allez, les vaches, vous rentrez. C'est l'heure d'entrer. Allez, tous dans la grange. Tous dans la grange. Je t'écrase. Ah, qu'est-ce qu'elles sont obéissantes, ces petites vaches. Allez, on rentre. Ah, t'as pas rentré. Je vais pas aller trop vite. Rentrez, je vous dis. Oh, continue. Bon, bah, parfait, tout ça. Rentre. Let's go. On y est. Joli, maintenant. Veuillez utiliser le tracteur pour labourer le champ de foin derrière. Ok, on va faire ça. Il y a quelqu'un qui vient me menacer en drone, là. Oh, attends, je peux monter sur lui? Ah ouais, amène-moi à des endroits bizarres. Oh, je peux pas rester dessus, dommage. Allez, du coup, c'est parti pour labourer le champ. Allô, c'est bon. Oh, c'est parti, on peut en faire 3 en même temps. D'accord. Oh, c'est tellement satisfaisant. On se croirait sur Farming Simulator. Allez, on continue. Bon, bah là, on va commencer à gagner de l'argent, je suppose. Parce que je vois que dans le dashboard, là, dans le leaderboard ici, là, il y en a qui ont déjà des pièces. Bon, il y en a un, il en a que 2, alors qu'il est plus âgé que l'autre. Je pense que soit il a trop dépensé, ou soit il a pas assez travaillé dans sa vie. Mais en tout cas, oh, j'ai envie d'aller au carnaval. Non, on dépense pas la thune. Mais on va pouvoir justement dépenser la thune au carnaval, je suppose. Hop là, on fait le tour. Enfin, c'est plus un parc d'attractions, selon moi, hein, plutôt qu'un carnaval. Allez, hop. Il nous en reste quelques-unes. On y est presque. Et c'est terminé. C'est tout clean. On a gagné 20 pièces. Waouh, voici votre chèque de paix. Donne-le-moi. Merci. Waouh, allons carnaval. Oh, mais directement, on va dépenser. Allez, c'est parti, on va prendre un petit peu de plaisir après avoir travaillé. Parce que, évidemment, après l'effort, c'est le réconfort. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oh, on peut jouer à ça. Tenez-vous ici, payez une pièce. Ok. Oh, je veux faire du chamboule tout, moi. Let's go. Vous avez 3 lancements. D'accord. Et attention, pomme! Ah non, il faut... Oh! Ah, ça n'a pas marché. Il faut mettre la pièce dans la bouteille. Enfin, sur le haut de la bouteille. Yes, j'ai réussi. Mais j'ai réussi. Arrête, mais il m'arnaque, le type. Allez, le troisième. Oh, j'ai gagné! Yes! J'ai gagné quoi?
J'ai gagné quoi? J'ai gagné une petite peluche apparemment, comme d'hab. Allez, maintenant il faut faire la fun house. Oula, c'est la epilepsy house ou quoi ce truc là? Je suis là aussi, je suis partout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est pire que le labyrinthe des glaces, ça. Qu'est-ce que... Mais attendez, faut... Mais je me fais TP à chaque fois que j'essaie d'aller quelque part. Je comprends rien ce qui se passe. C'est passer par le labyrinthe miroir jusqu'au carré jaune. Mais je peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Si je vais là, je me fais TP. Ah non, c'est bon. Ok, passe par là. Oh, c'est bon, ça a marché. Bon travail, montons sur la grande roue maintenant. Ok, attendez, faut que je ressorte de là quand même. Oh, ce délire. Mais j'arrive pas à ressortir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est bon! Allez donc, on prend la grande roue. Installe-toi. Waouh, on est trop bien! Très bien. Bon, on fait un tour. Ça devrait suffire pour terminer ça. Et ensuite, on va aller se faire le roller coaster, évidemment. Alors, attendez-moi. C'est parti. Moi, je monte devant pour plus de sensations. C'est parti! Let's go! Oh, la montée. Da-di-da-da. Voilà. Oh, les molaires! Wouhou! Wouah, c'est trop génial! Wouah, j'ai une vue intérieure en mode FPS! Oh, c'est encore mieux comme ça, il y a plus de sensations! Ah, on aurait dû mettre un petit casque VR, franchement. Et c'est bon, on est arrivé, c'est parfait! Oh, il faut faire l'élastique maintenant. Oh ouais, je veux faire l'élastique. Oula, faut peut-être pas me se mettre dessous. Il faut monter. Ah, et donc, on grimpe à l'élastique. Mais comment ça se passe? Ah oui, on va être accroché, ça va nous... Mais normalement, c'est censé être plus haut, non? Ça y est, je suis accroché. C'est parti! Wouhou! Prenez des taches de sang au sol, c'est normal, ça? Hop là! Oh, c'est trop génial. Mais le chien, il est en train de kiffer sa vie, franchement. Il kiffe trop. Essayons ça maintenant. Attends-moi! Oh, je suis arrivé pile à temps! Et il a failli tourner sans moi le truc. Allez donc, on fait un tour de ce jeu-là qui... Oh non, je déteste ça. Non, ça c'est mort. Ça va me donner... Ça va vraiment me donner le tournis, c'est sûr, à 100%. Mais regardez, le chien, il est pas attaché, le pauvre. Wow! Qu'est-ce qui nous arrive? J'espère qu'ils vont pas se lever les bras quand même, hein. Non, c'est bon. Il reste tranquille. Wow! C'était pas mal, mais là j'ai tourné, ça y est, c'est sûr. Alors maintenant, nous allons tenter de faire... Oh, on va faire tomber Sandy dans l'eau. Oh, c'est trop génial, ça. Et c'est parti, il faut taper assez fort, hein. Oh! Oh bah c'est bon, premier coup réussi. Deuxième coup, réussi. Et troisième coup, mais en fait, c'est hyper sensible ce truc, t'as juste à le toucher, c'est bon. Let's go! Bon bah c'est gagné, hein. Le carnaval était amusant, mais maintenant tu es fatigué. Trouvons un lit ou une tente pour dormir. Où est-ce que je trouvais ça? Ah bah c'est bon, j'ai une tente là. Trop loin de la zone de camp. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, on va la mettre là, hein, c'est bien. Hop. Ça marche là ou pas? Ah non, on peut pas la mettre dans l'eau. C'est bon. On peut dormir tranquillement pour la deuxième fois du jeu. Oh. Yeah. Sommeil. Commencez à rêver. Ah, avec plaisir. Oh, on va rentrer dans nos rêves. Trop classe. Alors, rêve de trouver un trésor caché. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Apparemment, c'est là-bas. Mais c'est encore dans la montagne. Il y a tous les trésors là-bas, de toute façon. Hein. Alors, où est-ce qu'il peut être, hein? Intéressant. Ah, il est là-dessous. Il doit y avoir un passage secret quelque part, là. La flèche m'indique un emplacement en dessous. Comment on peut y aller? Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut pas passer sur le côté? Non. Ah, mais faut que je creuse avec le blaster. Ok. Tac, tac, tac. Oh, je suis en train de modeler la zone. Oh, mais c'est génial. C'est bon, on y est là ou pas? Ah, c'est par là. Le trésor est un peu plus là-haut. Hop, Mining Simulator. On y est presque. Ah, c'est de l'or. Oui, je l'ai. En rêvant, exploser pour le trésor dans le Paintball Arena. Oh, faut aller dans le Paintball Arena maintenant. Alors, attendez, faut que j'arrive à ressortir d'abord. On va passer par là. Et c'est bon, j'ai trouvé la fin. Donc là, on est en train de rêver au Paintball. Ça n'a aucune logique. Je sais pas ce qu'il faut faire maintenant. Hop, voilà, toi t'es mort. Il faut faire quoi en fait? Faut prendre le drapeau. Oui, comme tout à l'heure. Je peux tout supprimer. Ah oui, il y avait un autre. J'ai pété la zone! Utilisez des rampes pour atteindre le trésor dans le ciel. Quoi? Ah ouais, il est là-bas! Oh, mais c'est trop classe! Allez, go! On construit comme dans Fortnite! Allez, on y est! Il est au plein milieu de la rue, là! Alors, hop! On prend ça et. Ah! J'ai raté! Alors, hop! Viens avec moi, toi! Et c'est bon, on l'a eu! C'était un rêve de fou! Assurez-vous d'être réveillé lorsque vous consultez votre boîte aux lettres! Oh, très bien! Alors. C'est bon? On est vivant? Oui, on est surtout réveillé. Et on va aller voir la boîte aux lettres, je sais pas ce qu'il va y avoir. Dites-moi tout. Alors, on ouvre ça et attention, jetons un coup d'œil à votre chambre de dortoir. Votre candidature à l'université a été acceptée, un dortoir vous est réservé. Jetons un coup d'œil à notre chambre de dortoir. Très bien. L'université? Mais j'ai pas vu d'université moi tout à l'heure. Elle est où? Elle est là-bas? Oh, ils ont agrandi! On a accès à une autre zone maintenant. Oh. Alors, comment ça se passe? Université, dortoir, salle de jeu. Oh. Direction l'univers. What?
c'est un pub devant nous. On a la salle des jeux juste là, l'université, bien évidemment. Alors attendez, il faut aller où là? Ah oui, non, d'abord, il faut aller au dortoir. C'est juste là. Payez vos frais de scolarité et votre loyer au comptoir d'enregistrement. Allez hop, on paye ça, ça coûte cher en Amérique. Hein. 22 pièces, j'ai besoin de plus de pièces, il faut aller travailler au snack bar. D'accord, eh bien écoutez, on va aller servir des gens, on va aller travailler un petit peu. Besoin de travail, cliquez ici, gagnez 5 pièces. Voilà, très bien. On prend un plateau. Qui c'est qui veut des plateaux? Excusez-moi, je n'ai pas commandé ça. Ah mince, désolé madame. Tenez, vous avez commandé ça vous, non? Pas ça? Toi, t'as commandé ça? Non? Cola aimerait une autre boisson à la fraise et quelques raisins. Tenez un plateau et cliquez sur les éléments, d'accord. Alors, fraise et quelques raisins. Très bien. Et c'est qui Cola? C'est elle. Tiens, Cola, c'est pour toi. Merci de rien. C'est bon, j'ai la thune. Je suis engagé. Ah, maintenant, il faut servir ça. Sarah aimerait des myrtilles ainsi qu'un hamburger. Tiens ça, c'est pour toi. Maintenant Brad veut un autre verre, comme celui qu'il a, un hamburger et deux raisins. Ah mais il a quoi comme verre actuellement? Oh, un verre jaune, c'est quoi? Alors c'est de l'ananas, ouais ouais. Un hamburger et deux raisins. Ok, je te rajoute ça. Parfait. Tiens Brad. Ouais. Et le dernier, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut un autre verre comme il a deux hamburgers. Ok, deux hamburgers, une barre de bonbons, candy bar. Et attention, c'est quoi qu'il boit lui? Ah, ça doit être du coca. Du chocolat, non, c'est du chocolat. Allez, tiens. Croustille, ouais. C'est pour toi. Allez, c'est bon, je suis payé ou pas? Je suis payé? Merci, merci, vous avez votre salaire. Bon, bah, parfait, je vais pouvoir payer l'université. Et l'enregistrement se fait juste là. 22 pièces, c'est parfait. Choisissez un dortoir disponible à l'étage. Ah, on a le choix ou pas? Alors, est-ce qu'on a le choix? Disponible, disponible, ils sont tous disponibles, c'est ouf, moi je vais prendre celui tout à gauche. Waouh, l'évolution les amis, on était chez nos parents au début et maintenant on a une chambre trop stylée, on va pouvoir se mettre là. Knock knock, ah, quelqu'un est à la porte, qui c'est? C'est ma petite amie. Waouh, c'est la surprise. Wouhou. Je n'y pas les amis là. Je n'y attendais pas du tout. Alors, hop, on ouvre les cadeaux que vous m'avez offert pour mes 19 ans. Une baguette magique. Cliquez sur le sol à l'extérieur pour essayer. On peut sortir. On peut sortir par là. On peut cliquer. Waouh. J'ai un cheval, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est n'importe quoi. Ouais, maintenant, viens là, Cola, on va faire un petit billard, toi et moi. Alors, comment ça fonctionne? Faut cliquer sur la petite bille, je suppose, la blanche. Ah non, c'est pas ça. Jouer, c'est parti. Oh, c'est trop classe, frapper fort. Ah ouais, faut frapper fort. On peut incliner ou pas? Ah, je sais pas encore. Allez, c'est parti, on frappe fort. Pouah, yes, on est rentré une. Alors moi, j'ai les plaines, je crois, c'est ça? J'ai les plaines? Je sais pas. Ouais, j'ai les plaines. Ok, je vais tenter de rentrer. On va taper aussi fort qu'on est bête. C'est parti. Boum. Voilà, je n'ai rentré deux. Yes. Ah, y a quelqu'un qui est rentré en moto. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est encore à moi de jouer du coup, hein. C'est à moi de jouer. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai encore les plaines. Nous, on va tirer vraiment très fort dans celle-là, je pense. Voilà, frappez fort et attention. Allez. Oh, c'est pas mal. Yes, c'est rentré encore. Oh, je suis incroyablement fort au billard. Il m'en reste combien? 3 à rentrer, hein. Bon, voilà, je vais taper fort là-dedans, mais je risque de lui en rentrer une à elle. Hein. Bon, c'est pas grave, au pire. Allez, boum! Bon, bah, c'est à toi de jouer, Sarah. Cola, pardon. Oh, attendez, peut-être que la deuxième va rentrer. Ah non, elle s'est arrêtée. Allez, à toi, Cola. Vas-y, joue. Oh, pas mal. Bien joué. Elle joue bien. Ouais, franchement, les développeurs du jeu, ils ont trop géré pour faire tout ce jeu de ouf. Hein. Ah, la rentrée, la blanche. Grosse nulle. Bon, très bien. Alors, on va rentrer tranquillement la bleue parce que je suis pas très bien placé. Pour rentrer les autres, on va tirer pas trop fort, on incline un peu, voilà. Boum, la bleue est rentrée, on va essayer d'entrer la jaune. Ouh, ok. Non, ça reste d'être compliqué là. Oulalala. Je vais essayer de la rentrer comme ça, mais j'ai peur de rentrer ma blanche. Allez, c'est parti. Oh, j'ai rentré ma blanche, mais c'est pas grave, j'ai rentré la jaune, c'est parfait. Ok, je viens de rentrer la mienne. Il n'y a plus que la noire à rentrer, par contre là, il faut pas faire d'erreur. Hein. Il faut bien viser parce que sinon, si je rentre la blanche, je suis mort. Surtout pas taper trop fort, on va faire un petit coup, hein. Un tout petit coup comme ça. Attention. Ouais, c'est la win. Allez, retourne au comptoir, toi. Laisse-moi tranquille. Ah, mais t'es en double. Merci, tu as gagné. Bon match, merci. Ouais, t'es en double, hein. T'es deux fois, c'est pas normal, ça. Bon, bah, allez, direction les 21 ans, maintenant. Pendant que Cola, elle est encore en train de nous suivre. Je crois qu'elle est tombée amoureuse de nous. Donc, nos 21 ans, apparemment, c'est de ce côté-là. Je sais pas où est-ce que ça va nous amener. On va voir ça. Il faut aller se changer, d'accord. Oh, trop classe. Alors, attendez, moi, tout à l'heure, je voulais me mettre en monsieur propre. Voilà. Je suis monsieur propre. Mais je peux me marier avec elle maintenant que j'ai 21 ans ou pas? Apparemment, faut que j'aille au collège pour aller voter pour la prochaine mise à jour. Quoi? On aurait terminé. Attendez, c'est où qu'il faut voter? Dans le bureau du principal? Ah non. On peut pas se marier? Dans les chiottes? Non, je crois pas qu'on puisse se marier, encore moins voter dans les chiottes.
Encore moins voter, encore moins se marier. Ouais, je sais pas. Quiz de maths. Non, je vais pas jouer. Moi. Bah, je sais pas où est-ce qu'on peut voter pour la prochaine mise à jour. Mais en tout cas, les amis, il semblerait qu'on ait terminé ce jeu de folie. Je me suis marié avec. Ah, mais non, c'est la professeure de conduite, ça. Non. Je voulais pas, moi, je voulais Cola. Bah, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo de folie vous a plu. C'est sûrement la vidéo la plus longue de ma chaîne. C'était juste une aventure de folie. Nous, on se retrouve à très vite. Salut à tous, c'était Red Kill. Et bye tout le monde. Waouh, quel jeu de fou, franchement.